Depuis le début des années 2000, la France a été le théâtre de multiples soulèvements sociaux, des manifestations de nuit debout à la fronde des gilets jaunes, en passant par la lutte contre la réforme des retraites ou encore les récents événements liés au 49-3 et à la mort de Naël. Ces mouvements ne sont pas simplement des réactions ponctuelles, ils sont le reflet d'une méfiance et d'un désaccord croissant envers les institutions politiques. Aujourd'hui, seulement 15% des citoyens français déclarent faire confiance aux politiciens, d'après le CEPIVOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Soit 85% des citoyens français n'ont plus aucune confiance en leurs représentants politique. Et l'incertitude économique, l'inertie climatique et l'augmentation des théories du complot n'ont fait qu'alimenter cette défiance. En parallèle, Internet est devenu un refuge, un espace où l'indignation et la protestation peuvent s'exprimer sans les contraintes physiques de la rue. Il n'est plus simplement un outil de communication, mais une véritable arme de résistance permettant à des milliers de personnes de s'organiser, de se protéger et de défier les pouvoirs en place. Alors, comment Internet est-il devenu le nouvel épicentre de la résistance mondiale ? Notre premier cas d'école est celui du début des années 2010, où les réseaux sociaux ont commencé à devenir la norme chez la jeunesse lorsqu'Internet est devenu omniprésent dans nos vies, en nous plongeant constamment dans le numérique. En 2010, c'est le début des printemps arabes. La Tunisie se soulève face au harcèlement policier et aux conditions de vie difficiles imposées par le président Zine El Abidine Ben Ali. De nombreux pays vont prendre exemple sur la Tunisie comme l'Égypte, la Libye et la Syrie entre autres. Et ce sont les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube qui ont joué un rôle crucial dans l'organisation des manifestations, la diffusion des informations et la mobilisation des soutiens internationaux, et c'est grâce à ces derniers que la population a pu mener des actions coordonnées, minutieuses et efficaces qui, in fine, ont permis par exemple à la Tunisie d'avoir aujourd'hui encore sa démocratie toujours en place. De l'autre côté du globe, les manifestations de Hong Kong contre la loi d'extradition vers la Chine ont largement reposé sur l'utilisation d'applications comme Telegram pour organiser des rassemblements de manière décentralisée. Les manifestants ont aussi utilisé des forums en ligne pour partager des stratégies et des informations en temps réel, ce qui a rendu leur mouvement plus résilient face à la répression. Et malgré les efforts du gouvernement chinois pour réprimer les manifestations, y compris la coupure de certaines plateformes, les manifestants ont réussi à maintenir leur mouvement grâce à une utilisation astucieuse des technologies numériques. Cela a attiré l'attention internationale et renforcer l'importance des technologies numériques pour les mouvements de résistance. Et alors, comment les réseaux sociaux permettent-ils de faire cela? Il y a deux réponses évidentes. La première, c'est l'utilisation des hashtags, des mots juxtaposés à un caractère spécial, celui-ci s'appelle un dièse, qui va permettre de référencer un post ou un contenu. Tout le monde a déjà entendu parler de SEO ou SEA, les acronymes anglais qui veulent dire Search Engine Optimization ou Search Ads Optimization, qui permettent à l'aide de hashtags donc, en français mots-clés, de référencer votre contenu. Admettons que tu doives écrire un tweet sur les printemps arabes, tu vas après ton post l'agrémenter d'un hashtag suivi du mot-clé printemps arabe pour permettre aux gens intéressés par ce sujet de les trouver. Le référencement des réseaux sociaux a permis à ces applications universelles de mettre en lumière les manifestations de tout ordre, de toute nature, pour n'importe quel sujet aux quatre coins du globe. En résulte une prise de conscience d'un nouveau sujet d'actualité, une solidarité qui va se construire au fil du temps pour soutenir les remontrances des gouvernements autoritaires. Notre référence ici, sans mauvais jeu de mots, serait le hashtag Black Lives Matter, qui a permis au monde entier de compatir lors de la mort de George Floyd à un noir américain étouffé par un policier blanc en 2021 et de défendre la communauté afro-américaine face à la police répressive des USA, et plus globalement de valoriser la vie des personnes à la peau noire, d'où ce mot-clé. Enfin, pour terminer, les mèmes, ces blagues virales d'internet vont permettre aux internautes d'accéder à des sujets politisés avec humour qui vont parfois les rapprocher d'une mouvance ou d'une idéologie politique à laquelle ils n'adhèrent pas forcément. J'ai fait un documentaire complet sur le sujet des mèmes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est souvent la technique faite par l'extrême droite. Pepe the Frog, une icône d'internet outre-Atlantique, est utilisée par les mouvements nationalistes et suprémacistes blancs américains sur les forums douteux comme 4chan notamment, pour troller, pour se moquer d'opposants politiques ou des personnes qui ne pensent pas comme vous. C'est une technique très puissante et qui permet de faire rire des personnes qui ne sont pas pourtant du même camp et d'inconsciemment gagner leur sympathie. La gauche utilise la même technique, mais sa stratégie repose moins sur le dédain et le mépris et produit également des mèmes plus sérieux qui permettent de simplement tourner en dérision d'autres idéologies avec un caractère plus sérieux de ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas exclure les mouvements sournois et mal intentionnés qui utilisent très bien internet et particulièrement les réseaux sociaux à des fins plus questionnables. Le gouvernement russe a par exemple eu recours à diverses tactiques comme les fermes à trolls sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Twitter en 2016 et 2017 et nuire à la candidature de Hillary Clinton et ainsi favoriser Donald Trump pour que les extrêmes de l'autoritarisme et le conservatisme se rejoignent. Ils ont pour cela créé des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux qui ont été utilisées pour semer la confusion et diviser les opinions publiques. Ainsi, après avoir exploré le rôle des réseaux sociaux dans la structuration des stratégies de manifestation, il est temps de plonger sous la surface pour découvrir la dimension plus discrète et périlleuse du militantisme numérique ou activisme comme on l'appelle.
Parmi les figures emblématiques de cette cyber-résistance, le groupe Anonymous a marqué l'histoire avec ses actions ciblées contre les institutions qu'ils considèrent comme corrompues ou oppressives. Leur cyberattaque, souvent sous forme de DDoS, attaque par déni de service, vise à paralyser les sites web d'entreprises et d'organisations. L'exemple à citer ici serait de Wikileaks. Wikileaks, fondé par Julian Assange, est une organisation spécialisée dans la publication de documents confidentiels souvent d'importance politique. En 2010, Wikileaks a diffusé les informations militaires et diplomatiques sensibles concernant les guerres en Irak et en Afghanistan, notamment des dossiers exposant des abus de pouvoir. Cette divulgation a provoqué une forte réaction de la part des États-Unis et des géants financiers comme PayPal, Mastercard et Visa, qui ont alors bloqué les dons destinés à soutenir Wikileaks. En réponse, Anonymous a lancé l'opération Payback, ciblant ces entreprises par des attaques DDoS pour leur rendre leurs services indisponibles. Cette action a montré une nouvelle manière de contester l'autorité à travers des moyens technologiques non violents mais terriblement efficaces. De même, avec l'affaire Occupy Wall Street, OWS, un mouvement de protestation qui a émergé en 2011 en réponse aux inégalités économiques et à l'influence croissante des grandes entreprises sur la politique. Ce mouvement qui a commencé à New York dans le parc Zuccotti, au cœur du quartier financier, qui visait à dénoncer l'écart entre les 1% les plus riches de la population et les 99% restants. Le slogan emblématique « Nous sommes les 99% » résumait l'opposition à la concentration de la richesse et du pouvoir dans les mains d'une minorité. Le soutien d'Anonymous aux mouvements sociaux comme Occupy Wall Street souligne leur capacité à s'inscrire dans une lutte globale contre les systèmes de pouvoir. Ces cyberactivistes, agissant souvent dans l'ombre, rappellent qu'Internet peut devenir une arme de résistance pour déstabiliser les structures institutionnelles. Cependant, résister ne se limite pas à attaquer les infrastructures numériques. Un autre domaine de résistance a émergé, celui du financement, où l'anonymat et la décentralisation jouent un rôle crucial grâce aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin ont révolutionné la manière dont les mouvements de résistance financent leur activité. En tant que moyen de paiement anonyme et décentralisé, les crypto-monnaies permettent de contourner les systèmes bancaires surveillés par les gouvernements. Cela a été particulièrement visible lors du conflit en Ukraine. Dès les premières semaines du conflit, le gouvernement ukrainien a lancé des appels aux dons en crypto-monnaies via les portefeuilles Bitcoin, Ethereum et autres monnaies, ce qui a permis de récolter plus de 100 millions de dollars. Ces fonds ont été utilisés pour l'achat de matériel militaire, des fournitures médicales et pour financer des efforts humanitaires. Le caractère décentralisé et résistant à la censure des crypto-monnaies a permis à l'Ukraine de recevoir un soutien rapide en évitant les infrastructures financières traditionnelles surveillées ou bloquées. Ce rôle financier des crypto-monnaies devient une ressource essentielle pour les mouvements résistants qui doivent naviguer dans un monde de plus en plus surveillé. Qu'il s'agisse d'activisme ou de crypto-monnaies, ces différentes formes de résistance numérique se complètent et se renforcent mutuellement. En combinant ces stratégies, les militants du cyberespace montrent qu'Internet reste un outil puissant pour défier les institutions et amplifier les voix des opprimés, tout en créant un nouvel écosystème de solidarité numérique. Mais le cyberespace ne se limite pas aux attaques directes ou aux financements alternatifs. Au-delà de ces formes d'action, un autre outil plus inattendu a su émerger comme un espace de résistance, le jeu vidéo. Ce n'est pas pour rien que j'appelle Internet le 8e continent. Internet, c'est vaste, très vaste. Il y a diverses manières de pouvoir faire acte de résistance et de venir s'opposer à des instances gouvernementales, entre autres lorsqu'il s'agit de censure. Tu dois le savoir, de nombreux pays sont connus pour censurer leurs journalistes, que ce soit le Vietnam, la Chine, l'Arabie Saoudite ou encore la Russie. Tous les pays sont classifiés selon leur degré de censure de leur presse, comme le précise publiquement l'organisation internationale Reporters sans frontières. Cependant, les gamers ont trouvé un moyen de contourner ces restrictions, utiliser la dimension sociale des jeux pour créer des espaces de sécurité et de liberté de parole. En effet, la pandémie de Covid-19 a également vu son taux de censure exploser, étant donné qu'Internet demeurait le seul espace pour vagabonder. Cependant, avec la montée de la peur des populations concernant ce virus et la circulation des informations à grande vitesse de la maladie, certains régimes autoritaires en ont profité pour intensifier leur censure, modifiant ou supprimant carrément des informations cruciales pour servir leurs propres intérêts. Par exemple, en Tanzanie, le gouvernement a nié l'existence même du virus, soulignant l'importance de trouver des moyens alternatifs pour accéder à des informations fiables. Le jeu vidéo, pourtant perçu comme un simple divertissement, s'est révélé être un outil puissant pour la liberté d'expression. Prenons l'exemple le plus saisissant, Minecraft. Minecraft est le jeu le plus vendu de tous les temps. Il permet à ses utilisateurs de créer et de partager librement du contenu. C'est ce que l'on appelle un type de jeu bac à sable, ou sandbox en anglais. Un genre de jeu où les joueurs sont libres d'exercer leur créativité grâce à un panel d'outils prédéfinis. Les joueurs sont donc libres de construire ce qu'ils veulent grâce aux matériaux qu'ils ont à disposition. C'est dans ce cadre que Reporters sans frontières a pu créer la bibliothèque libre ou Uncensored Library.
Library en anglais, qui permet à n'importe qui de contourner les restrictions des régimes autoritaires. Voici comment cela fonctionne. Disons que tu veuilles contourner les restrictions de ton pays, il suffit de te rendre sur le site des Reporters sans frontières, de télécharger la carte du jeu réalisé en collaboration avec Blockworks, un studio de création spécialisé sur le jeu Minecraft, puis de te connecter au serveur indiqué par l'ONG. Tu arriveras alors à la bibliothèque libre, ça y est, tu as à présent devant toi cette bibliothèque virtuelle qui offre une échappatoire à la censure permettant aux jeunes du monde entier d'accéder à une information indépendante sans craindre les répercussions. Il est à présent tout à fait possible pour n'importe qui de choisir parmi les 12 pays répertoriés celui qui vous intéresse et d'arpenter cette gigantesque salle remplie de centaines de livres et de consulter les informations non censurées. Chacune des sections des textes de journalistes censurés ou réduits au silence sont disponibles à la fois en anglais et dans la langue du pays d'origine. Il faut ici saluer le dévouement acharné et résolu des 24 personnes qui ont déposé pas moins de 12,5 millions de blocs en 250 heures pour créer ce titan architectural. La liberté d'expression est un sujet majeur sur Internet dont l'anonymat permet une couche supplémentaire de protection pour protéger sa vie, qui est symbiotique à la vie d'un internaute. Sans anonymat, Internet n'est plus Internet. C'est pour cela que cela fait scandale quand Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il voulait abolir l'anonymat sur Internet en France. Enfin, si les jeux permettent de résister en prônant et en défendant la liberté d'expression, d'autres jeux sont carrément des remontrances envers leur gouvernement et revendiquent une liberté d'expression totale, en mettant l'accent plutôt sur leur culture, sur leur identité générationnelle. À ce sujet, j'ai réalisé il y a quelques années un documentaire complet sur l'univers du jeu vidéo Jet Set Radio Future, un jeu vidéo sorti en 2002 qui constituait en lui-même une contestation à l'autorité japonaise et représentait bien cet esprit de la jeunesse qui s'oppose à la doxa pour vouloir construire une nouvelle culture qui lui ressemble. Si le jeu reprend la quintessence de la culture hip-hop, bande sonore très hip-hop, dont le scénario est celui de faire du graffiti dans un Néo-Tokyo, dans lequel prend place une guerre de territoire et dont les confrontations avec la police, ou plutôt la milice zélée d'un pouvoir dictatorial, se fait très régulièrement. Le jeu est une métaphore de contre-culture, de résistance envers le Japon des années 2000. En bref, Internet est donc bien plus qu'un simple outil de communication. Il est devenu le dernier espace où résister, s'exprimer et partager des idées sans frontières. De la mobilisation sur les réseaux sociaux aux activistes en passant par les crypto-monnaies et les espaces de liberté comme les jeux vidéo, chaque acteur continue à bâtir une forme de solidarité numérique face aux oppressions modernes. Ce vaste réseau d'individus connectés montre qu'une résistance discrète mais puissante peut émerger de n'importe quel recoin du cyberespace. Finalement, la résistance numérique n'est que le reflet de notre quête incessante de justice, de vérité et de liberté. Malgré les tentatives de contrôle et de censure, Internet reste un refuge pour les voix marginalisées, un terrain d'expression pour les idées en quête de lumière. Cette nouvelle ère de cyber-résistance nous montre que le pouvoir peut aussi venir d'un simple hashtag, d'un post viral ou d'un serveur de jeu. En unissant nos voix, nos ressources et notre créativité, nous rappelons aux institutions que le peuple possède désormais un outil de pouvoir collectif sans précédent. Alors, que vous soyez un utilisateur anonyme ou une figure publique, vous aussi, vous faites partie de cette révolution silencieuse qui façonne le monde de demain. Mais Internet n'appartient plus seulement aux pionniers de la première heure, la génération Z, elle aussi porte en elle cet esprit d'opposition exprimant avec audace et maîtrise des codes numériques une résistance renouvelée. Dans bien des domaines, l'élève dépasse le maître, réinventant les formes de lutte. Au-delà de l'opposition, cette génération semble surtout avoir saisi le potentiel d'Internet pour rapprocher les individus plutôt que de les diviser, et ce, malgré les effets polarisants de nos algorithmes. Et si vous êtes curieux de savoir comment la génération Z a créé la génération la plus soudée, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. En attendant, vous pouvez me garder avec vous en regardant cette vidéo.